Bonjour, personne extraordinaire, un nouveau vlog sur Maurice. Donc une petite accélération, accélération dans le temps, parce que vous avez vu le dernier vlog où j'étais en train de visiter la maison. Et en fait, il y a eu tellement de comment ça s'appelle? D'imprévus, des propriétaires qui disent oui, après qui disent non. Donc au final, je suis venu dans cette villa qui, vous voyez là, derrière là, ici. Donc je sais pas si vous êtes intéressé pour que je vous la visite. Et là, on est en fait dans le quartier là. Quartier, on appelle ça Pointe aux Canonniers. Donc j'ai trouvé la villa Pointe aux Canonniers et c'est une villa dans un quartier. Il y a de tout. Il y a des expatriés, il y a des Mauriciens, il y a de tout quoi. C'est vraiment kiffant. Donc là, il y a le propriétaire. Le propriétaire, il est trop sympa. Et il m'a expliqué qu'il y avait une plage un peu, on va dire, privée où les touristes n'y vont pas beaucoup en fait. C'est les gens du quartier qui le savent. Et du coup, on va là-bas. Donc, vous allez nous suivre et on avance avec les enfants.
Donc rapidement, je vous explique ce qui s'est passé. Donc les enfants, faut savoir que Maurice, tout est à distance, les écoles sont fermées. J'aurais kiffé qu'il rentre dans une école anglophone. C'est pas apprendre l'anglais parce que nous, notre anglais, il est vraiment fatigué, tu vois. Moi, quand je te parle anglais, tu tues tes oreilles. Donc, je me dis, ah, les enfants, ce serait pas mal de, là, très jeune, de passer à l'anglais. Donc, vu que c'est fermé, et histoire de Covid, là, c'est compliqué, hein, de faire l'école à la maison et tout, là. Donc on a eu de la chance, vers Grand Bay, il y a une école qui est ouverte, qui accueille les enfants. C'est la seule école de toute l'île qui accueille. Super, école privée. Et du coup, c'est parti. Hein. Là, je les ai inscrits. Tous les matins, je les dépose. Moi, ça me permet de travailler tranquillement. Parce que j'en ai marre de les avoir tout le temps à la maison. C'est chiant quoi, parce que je m'occupe pas d'eux et je laisse à l'abandon, des fois ils meurent de faim. C'est ça, des fois je les laisse mourir de faim. Donc avec moi, des fois c'est le ramadan forcé, parce que des fois quand j'enchaîne des visios, des rendez-vous à distance, tout ça, bah deux heures enchaînées, ça va très vite, hein. Donc voilà, j'ai réussi à les installer. Maintenant, ce qu'il me faut, je cherche aussi une femme de ménage là, parce que le ménage, vous imaginez faire le ménage dans un 4 chambres. 4 chambres, 2 étages. J'ai essayé une fois, j'ai mis 3-4 heures. T'imagines le temps que je perds. Et madame, elle n'est pas encore là. Donc voilà, et les enfants. Les enfants ils kiffent de plus en plus. Au début ils avaient peur, ils pleuraient parce qu'ils allaient perdre leurs amis et tout, les amis vont leur manquer, et ça c'est normal. Hein. On a des amitiés assez rapidement. Mais là, ils sont encore des nouveaux amis. Et en plus, il y a le soleil et la plage. Donc voilà, là on va tranquillement. Hey. Ah les enfants, il y a une voiture qui vient. Au lieu de se mettre... Oui, je parle parce qu'il y a les enfants qui sont devant. Donc voilà, let's go, un petit après-midi, on va décontracter et c'est parti. Donc je sais pas si vous avez vu la petite entrée, on la voit pas du tout. Ils sont là. Là, je fais exprès de ne pas filmer, comme ça il faut pas que tout le monde sache où c'est. Donc là je vous ai donné quelques indices et avec les petits indices vous pourrez retrouver la petite entrée. Mais là je vous avoue, quand vous habitez pas ici, c'est chaud, et que les habitants d'ici qui disent ouais, c'est là le passage en fait. Et là on est dans le passage. L'eau du bruit, enfin l'eau du bruit, MDR, l'eau du bruit. Oui, comment on va faire pour aller au petit port?
Voilà, la petite plage. On va se poser un peu tard, hein. Ouais. On va se poser un peu tard. Ça, on est à Londres. Ouais. Là, on va là-bas. Donc voilà la petite plage et on va passer un petit bon moment ici tranquillement. D'appeler là, je sais pas pourquoi. Nous on est là, on trouve. Tu m'entends pas? Non, j'ai pas entendu. J'ai dit, il m'a dit, mais c'est maman qui appelle. J'ai dit, maman fait que d'appeler. J'ai dit que maman a fait que d'appeler. T'as trop somme pourquoi? Oui, tu vois, c'est un chemin secret. Ouais. C'est un passage secret. Bah, il va à la plage. Après, il va dans le quartier où on habite. Ah là là. Une petite journée à la plage avec les enfants. C'est une grande journée, ça. Hein. Oui, mais oui. Ils ont kiffé. Donc, c'est une plage où... voilà, c'est dimanche. Il y a un peu plus de monde. Là, je suis en train de faire mon vlog là. C'est le petit là, il est en train de parler avec la petite maman là. Elle faisait que de m'appeler là. Depuis tout le temps j'étais à la plage, elle faisait que de m'appeler. Je lui dis pourquoi tu m'appelles? Ah, j'ai trop le seum et tout, le soleil, la plage. Ah, j'ai dit laisse-moi profiter là, fais que d'appeler là. ouais. Donc c'est ça aussi hein, Enfin, je vous montre ça, c'est juste pour que... Parce que j'aime, ils aiment voir les belles plages et tout. Je vous fais voir. Hein. Mais le but, c'est que ça vous motive aussi hein, de travailler dur, travailler longtemps. Vous n'avez pas forcément les bons résultats tout de suite. Mais quand vous ne lâchez pas, ça paye. Hein. Quand vous ne lâchez pas, ça paye. Et des petits moments comme ça, c'est agréable et tout ça avec les enfants, la famille en profite. Allez, c'est reparti. Hein. En tout cas, moi, je pourrais revenir en pleine semaine et les enfants, ils seront à l'école. Ah, papa, il a trop de chance. Hein. Papa, il a trop de chance. Et tu sais, aussi à l'école, on part à la plage. Ah ouais? À l'école aussi? Ah ouais, même à l'école, ils vont à la plage. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Même à la réunion, donc voilà un petit vlog vraiment rapide. Et là, je vais. On vous a montré le quartier, la petite plage secrète rapidement. Et bon, à la prochaine. Hein.